Il semble qu'il y ait toujours un élément incertain qui pèse sur le paysage politique américain. Et je pense que les risques qui en résultent ne touchent pas seulement les États-Unis, mais ils pourraient représenter des risques à l'échelle mondiale, surtout pour les marchés boursiers. Stephen Innes, Wanda. Mardi dernier, la Banque de réserve d'Australie a laissé le taux d'intérêt inchangé à un niveau bas record de 1,5%. La RBA a déclaré que le renforcement du dollar australien devrait aider à affaiblir les pressions sur les prix dans l'économie. Pensez-vous que la RBA montre qu'elle allait réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Australie? Oui, je pense que tous les rapports et données que nous avons vus montrent que le gouverneur et ses assistants ont beaucoup travaillé sur le cours du dollar australien pendant ces quelques dernières semaines. Il semble que leurs inquiétudes commencent à disparaître grâce au renforcement du dollar australien qui les a vraiment surpris. Mais la RBA exprime toujours des inquiétudes en matière de salaire qui restent au niveau bas. Les responsables parlent toujours d'une sous-utilisation de la main-d'œuvre. En général, je pense que la RBA ne va pas réduire son programme de stimulation monétaire cette année. Dans la déclaration de politique monétaire de vendredi, la banque a révisé les objectifs de croissance du PIB de 2,5% à 3%. La banque a clairement indiqué que les points de pression qu'elle a vus étaient liés sans aucun doute au taux de change. Je pense que les responsables de la banque comprennent que le dollar australien pourrait connaître une tendance baissière dans un avenir proche. Mais tout va dépendre de la situation macroéconomique. Donc, si nous analysons les situations macroéconomiques actuelles, nous allons voir qu'il y a une bulle de crédit. La plupart des marchés d'exportation dépendent des mines de minerais de fer. Donc, si nous avons cette tendance baissière cyclique sur les marchés des matières premières, nous allons probablement voir un affaiblissement du dollar australien. ADP et Moody's Analytics ont déclaré que les employeurs privés des États-Unis avaient ajouté 178 000 emplois le mois dernier. Et ces résultats sont plus faibles que prévu. Ces données faibles menacent également les données sur les emplois non agricoles, dont la publication est prévue pour cette semaine, car elles montrent qu'il y aura probablement un ralentissement sur le marché du travail des États-Unis. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense que s'il y a un ralentissement important sur le marché du travail, cela va évidemment peser sur le dollar américain. Mais je ne pense pas que cela change la position de la Fed, même si les données du marché du travail dépassent les attentes. À mon avis, les marchés sont actuellement concentrés sur les données importantes sur les salaires, qui seront toujours au centre de l'attention dans un avenir proche. Mais si nous rejetons toutes les hypothèses et suppositions, ce que les prix actuels suggèrent, c'est que ce mois, les données ne vont probablement pas changer la position de la Fed. Et tout le monde va probablement attendre une hausse des salaires. Donc, je pense que même si nous voyons un bond du dollar américain, ce qui est peu probable, les traders vont probablement rester prudents et vont s'attendre à une baisse du dollar. À mon avis, il serait raisonnable d'attendre une hausse du dollar pour commencer à vendre sur le marché. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a averti que l'incertitude liée au Brexit pesait déjà sur l'économie britannique, car la banque avait décidé de maintenir les taux d'intérêt et de réviser à la baisse les prévisions de croissance. Êtes-vous d'accord avec la décision de la Banque d'Angleterre de réviser à la baisse les prévisions de croissance? Oui, et je dois dire que cette décision n'a pas été une surprise. En fait, les membres du comité de la politique monétaire ont parlé d'une approche moins sévère au début du mois. Mais je pense qu'il ne s'agit pas seulement de la révision à la baisse des prévisions de croissance. Il y a actuellement beaucoup de discussions sur l'incertitude liée au Brexit. Et tout cela influence la situation générale. Nous avons vu une baisse des investissements au Royaume-Uni car les situations actuelles au pays suscitent certaines inquiétudes. Et il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde où les investissements circulent autour du globe. Mais le Royaume-Uni ne réussit pas à augmenter sa part dans ses investissements, c'est-à-dire d'attirer plus d'investissements. Donc je pense que tout cela influence les décisions de la Banque centrale. En plus, je voudrais dire que nous ne devons pas oublier une crise prolongée observée à Washington. Il semble qu'il y ait toujours un élément incertain qui pèse sur le paysage politique américain. Et je pense que les risques qui en résultent ne touchent pas seulement les États-Unis, mais ils pourraient représenter des risques à l'échelle mondiale, surtout pour les marchés boursiers. Et je pense que c'est pour cette raison que nous observons une révision à la baisse des prévisions sur la hausse des taux.
Et selon toutes les données, il semble que Janet Yellen essaie de suspendre la hausse des taux au moins jusqu'au deuxième ou jusqu'au troisième trimestre de 2018. Donc je pense que dans ce contexte, la livre sterling va rester vulnérable par rapport aux autres devises du groupe des 10. Et cela concerne surtout la perte de l'euro livre sterling et la perte de la livre sterling dollar australien. Stéphane, merci de vos commentaires sur les événements les plus importants de la semaine dernière. Cela conclut notre interview d'aujourd'hui. Restez avec Dukaskopi TV pour découvrir plus de nouvelles intéressantes. Au revoir.